la meuf, elle a passé les 2 heures à être au téléphone avec son mec, raconter sa vie de merde, alors qu'elle nous battait une couille vraiment. Et en mode, si j'aurais parlé grave mal avec sa bouche. Du coup, je lui ai dit, t'as vraiment de te faire une ta gueule, sale pute. Oh non, putain, oh les gars. Oh! Vous pouvez décider à n'importe quel moment de niquer votre. Mais non, Isaac Woods, comment il va? Oh, ça va toi? Ça va, le plus gros bandeur du poste? On reste dans un cadre de travail. Arrête de me lâcher des hamdoulilahs, s'il te plaît. Ah, tu parles encore arabe, Mouchtabaï, au service? Bah pourquoi pas? On t'a dit que tu sais, il faut essayer de s'intégrer. Enfin, moi, après, moi, j'ai rien, hein. Je suis pas raciste ou quoi. Mais... j'aurais dit hola, est-ce que quelqu'un ici aurait dit quelque chose? Oui, j'aurais dit hola, qu'est-ce? Voilà, mais tu m'aurais pas dit pourquoi tu parles espagnol? Ah ouais, c'est vrai, ouais. Ah bah voilà. Ah ouais, c'est vrai. Bon, après, comme on dit, alhamdoulilah, parce que il faut toujours avancer. Il faut être toujours, content de ce qu'on a, ouais, c'est ça, c'est ça. Regarde, toi, par exemple, t'as une cicatrice. Ouais. Eh ben, elle aurait pu être fatale, tu vois. Et tant mieux. Faut dire Dieu merci. Exactement. Voilà. Comment on dit dans ta langue t'es jolie? C'est pour une fille ou un gars? Ouais, c'est pour une fille. Rakesh Beba. Ok. Rakli Jbilba. La Rakli, elle est Jbiba. Voilà, si tu veux. Ok, bon, ben c'est parti. Ben merci. Tu gères. Rien. Salut Mouchtabaï. La Rakli, elle est Jbida. Hein? Il y a aussi Nardine Mok, ça veut dire que tu es très jolie. Ok, ben merci en tout cas. Nardine Mouk. Nardine Mouk à tous les chers collègues. Ça? Mais non, Clem. Salut. Ça va pas très bien, Clem. Ah, le rookie, comment allez-vous? Les rookies ont des noms, Anderson. Ah ben, comment ouais, ça va, vous, C'est Patrick, non? C'est quoi déjà ton prénom, Patoche? Moi, c'est Felipe, moi. Ah oui, Felipe. Ah ouais, c'est vrai, Felipe. Felipe, là, on va aller patrouiller un petit peu ensemble, t'es prêt? Je peux pas, je suis mis à pied. Comment ça, t'es mis à pied? Vas-y, viens, je vais t'expliquer. J'arrive. Bonsoir, comment tu vas, Isaac? Mais c'est pas Isaac. Pareil. Et moi, c'est pas Brian. Ouais, du coup, comment ça tu t'es fait mis à pied alors que t'es rookie? Mais tu sais que c'est pas bon signe pour toi, c'était déjà mis à pied, hein, tu peux te faire virer. Je t'explique. Tu vois, hier j'ai patrouillé avec une dame là. Je peux te faire confiance ou pas? Ouais. Écoute-moi bien, je suis le plus ancien flic du service, ça fait 6 ans que je suis là. Tu peux me faire 100% confiance, Felipe. Emilie Berry, ouais, je vois ça. Ouais. En gros, hier j'ai patrouillé avec elle. Et c'était les 2 heures les plus longues de ma vie. La meuf, elle a passé les 2 heures à être au téléphone avec son mec, raconter sa vie de merde, alors qu'elle me battait une couille vraiment. Et en mode, si j'aurais parlé grave mal avec sa bouche. Attendez, du coup, je lui ai dit, t'as vraiment de te faire ta gueule, sale pute. Oh non, putain, oh là, il a. Oh putain. T'es là? Ouais, je suis là. Attends, non, tu l'as quand même pas dit, ferme ta gueule, sale. Non. Ok. Et du coup, tu lui as dit quoi? Non, en gros. Genre, tu sais, je suis arrivé au Tacos de Rancho. Ouais. Et il y avait un mec qui habitait là-bas, quoi. Il s'appelle Pablo. Voilà, il commençait à me faire des petites menaces et tout. Moi, je le prends bien, pas de problème. Attends, non, mais là, tu parles, c'est de ton blâme, du coup. Ouais, c'est ça. Ah, ça n'a pas de rapport avec Emily, du coup? Non, si, bah, un peu quand même. Hein. Ok, vas-y. Et en gros, on arrive à l'arrière boutique. Alors, moi, il me fait visiter un peu. Et là, il essaie de mettre une droite. Moi, je fais quoi? Le mec, je l'encule, tu vois, normal. C'est une défense. Main nue. Il y en a un deuxième qui m'agresse et pendant ce temps-là, moi je l'appelle à l'aide, la meuf, tu vois. Je lui dis, faut venir m'aider, quoi. Elle vient, elle regarde. Elle fait strictement rien. Et après, elle a fini, elle me dit, ouais, va à la voiture et tout, comme si j'étais son enfant. Ok. À l'instant, t'as appelé un supérieur. Et du coup, là, apparemment, après, j'ai un rendez-vous avec le capitaine, mais je vais la ruiner. Je vais dire que les dingues sur. Mais du coup, t'as pas été blâmé encore, on est d'accord? Non, pas encore. Mais du coup, j'ai. Genre, mais attends, mais t'es allé te défendre à main nue? Bah oui. Mais pourquoi t'as pas utilisé ton taser ou ta matraque? Parce que je pouvais pas, on était dans un endroit super serré. Ouais, mais il faut pas utiliser ses mains. Mais attends, main nue, moi les teams défense, tu me frappes main nue, je te frappe main nue. Ouais, c'est vrai. Après, tu sais, moi je suis un homme, moi, tu vois. Ouais, non, en vrai, c'est vrai. Mais on a du matos que tu peux utiliser dans ces cas de figure, ouais, tu vois. Mais là, on était contact, je suis sûr, je pouvais pas. Hein. Ok. Putain, j'aurais pu sortir mon Glock et puis lui tirer 3 balles dans le torse. Ok, non, mais en vrai, t'inquiète, je pense que ça risque rien. Par contre, là, Emily, là, waouh. Ah, mais je vais lui mettre la sauce. Hein. Ah, ouais. Vraiment, elle était super aigrie. Toute la soirée, elle faisait que de chialer.
Et en fait, je pense, vu qu'elle a pas eu promotion, en fait, elle est au FI1. Et de base, apparemment, elle devait passer au FI2. Et Georges Antoine, la voiture, quand elle était au téléphone, disait ouais, je suis pas passé au FI2 cette semaine, je veux tellement rejoindre la GND ou un truc de merde comme ça. Et je pense, du coup, elle était full écrit. Il m'a parlé grave, Okay. Sauf que moi, ça me manque de respect, tu vois, je vais quand même l'attraper dans un point, parce que tu vois, le FI1, non, en vrai, si elle était sergent. En vrai, sois malin. Sinon, ça va te retomber dessus. Ah, mais moi, c'est un jour, ça me Philippe... propose de patrouiller avec une meuf ou avec elle, et je dis non. Ouais, mais Felipe, sois malin, sinon ça va te retomber dessus, tu vas avoir plus de problèmes. Ok ? Regarde là ce que tu vas faire, simple. Quand il y a le capitaine, tu vas et tu lui dresses dans le sens du poil. Tu dis oui, voilà, moi j'ai fait ça. Non, mais je vais dire la vérité. À propos d'elle aussi, là, que c'est une grognasse. Enfin, je vais pas dire ça comme ça, sinon. Non, mais écoute, là, je vais te dire un truc, il faut que tu le saches au poste. C'est, elles ont toutes des copains. Voilà, elles aiment toutes se faire un petit peu. Voilà. Non, mais après, si elles veulent se faire tartiner, ça, y a pas de problème. Non, mais non, pas tartiner. Pas tartiner, je disais qu'elles aiment bien se faire un petit peu draguer. C'est un peu les feux de l'amour, les speedy, hein. Moi, je suis derrière. Moi, je suis une partouze, ouais. Non, pas une part. Non, mais t'es malade, pas une partouze. Moi, on va dire que je prends un peu du recul pour laisser un peu bonne raison que moi, j'arrive pas. Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi c'est. J'ai pas de chance. T'as du mal avec les femmes? Ouais, j'ai un peu du mal. Mais ouais, sinon, aussi, tout. Encore. T'es plutôt. Ouais, ouais. Après, j'ai que 23 ans, donc j'ai encore le temps. Ok, ok. T'as le numéro du capitaine ou pas? Ouais. Non, moi, je suis pas puceau, moi. Ah, t'es pas plus ça toi? Non, ouais. Là, t'as bien fêté Noël? Ouais, ça va. Bah, bonne fête, hein. Merci, bonne fête à toi. Merci, t'as mangé quoi? J'ai mangé de la bûche de Noël. Et que ça? Bah, ouais, en fait, je suis arrivé, il y avait la table de Noël, bah, il y avait juste une bûche. Mais c'est ça, un dessert. Ah ouais? Ah ouais. Ok. Tu crois que c'est le plat? Bah, ah si, après on a mis du le vin, on a mis le vin à bouillir, ouais. Et après j'ai mis les pâtes. D'accord, mon gars. Et tu sais que par contre, il y a des gens qui font des pâtes avec du lait. Tu sais, en mode, ils remplacent l'eau par du lait. Ouais, en fait, je crois que c'est plus calorique. Ah, mais c'est des fils de pute. Même il y a des gens, t'as vu, quand ils prennent leur shaker, au lieu de mettre de l'eau, ils mettent du lait. J'ai fait l'expérience hier, j'ai voulu tester comment j'ai déchiré les chiottes, laisse tomber. Ah ouais, ah ouais, c'était trop fort. C'était trop fort. Vraiment. Vraiment, tu sais que depuis 24 heures, j'ai la diarrhée de fou, frère. Et ce matin, je me suis chié dessus, mais une dinguerie. Non, en vrai? En vrai? Hein? En vrai, de vrai? Non. Ah ok, parce que moi aussi, j'avais un peu mal au ventre hier, en vrai. Eh, ça fait combien de temps que t'es pas chié dessus? Non, mais t'es malade ou quoi? Je me suis jamais fait caca dessus. Oh, mais enfin, bref. Il faut que je change ma photo de fond parce que Jessie, elle est plus là. Ça, je m'en branle. Moi, je veux juste savoir le numéro du capitaine, s'il te plaît. Ah oui, excuse-moi. Toi, t'es sergent déjà, non? Ouais. Bah, je vous respecte ça. Non, t'inquiète, repose-toi. Après, si vous voulez patrouiller ce soir, y'a pas de problème parce que ça m'arrangera de la femme là. Vas-y, 5-5-5-20-20-20-20. Hein? 5-5-5-20-67. 20-67. Ah, il est pas là. Putain, tu sais que c'est la merde, il me fait virer. Mais non, mais viens, on va patrouiller, t'inquiète. Hop là, et c'est parti les gars. Première patrouille avec Lem, nouveau perso, c'est plaisir. Un homme charge véhicule, ok, on va le prendre. Adam 54, on se rend sur le dernier appel. Go fast. Un négatif, Adam 98, on est dessus. Copy. Ils sont dessus. Mais comment ça, ils... Je sais pas, ils viennent d'arriver. Ils que je capte pas trop. Mais comment ça, ils sont dessus, on est à côté là. Je sais pas. Bah s'ils sont dessus alors, force à eux. Eh, on s'en bat les... S'emballer sous cette. Bon, je crois que ce soir, je vais pas être viré de l'esprit. Mais non, t'inquiète pas, Philippe. Comme on dit, premier arrivé, premier servi. Oh, les cons, ils sont en train de charger. Par contre, tu peux annoncer, s'il te plaît, du coup, maintenant, stop, t'assumes. Hein. Attends, mais ils sont en train de charger là, non? Ah, on a bientôt fini. Ah, bah, qu'est-ce que vous faites là? Mais comment ça, vous avez bientôt fini? Mais ils ont deux voitures, on a besoin d'aide là. Ouais, appelle du renfort, dis, il y a deux voitures. Toi appelle. Adam 54, on a deux véhicules là qui sont en train de se charger comme des mules. Besoin d'une unité de renfort en backup. Merde, j'ai appris pour Adam 98, sur votre appel. C'est bien reçu. 5. Vous sortez pas, monsieur. C'est descendez, levez les mains. On n'en parle plus. Frérot, comment ils vont faire là? Monsieur, vous comptez aller où avec ces sacs? Qu'est-ce qu'il y a dans ces sacs là, messieurs? Je sais pas, on travaille. C'est notre patron, il y a besoin de la commande.
On nous a envoyé un message là pour un signalement. On va procéder à un contrôle, d'accord? Bah oui, on peut contrôler. Vous allez m'ouvrir les coffres et le contenu de ces sacs là. Bah laissez nous sortir avant parce que ça va être compliqué. Bah non, on va aller par là faire le contrôle, non? Ouais, c'est ça justement, parfait. Ouais, là je passe pas Adam là. 28, c'est normal. Ah, ok. Bon. Adam 54, lui, deuxième unité est bientôt sur place. Là, on va pas pouvoir les retenir plus longtemps. Moi je vais y aller hein, si vous voulez. Non, vous allez attendre. Putain. Hey, vous arrêtez. Ok, c'est bon. C'est bon, il y a l'autre Adam derrière. Tiens, prends le mégaphone. Robert 10, on est. Comment ça, j'ai. Vas-y, tiens. Alas, Péri. Adam 33, apparemment, 56, une primo grise occupée une fois. Également, nous, on a pris l'autre primo grise du coup. Et ça sera bon pour les backups. Bon, Alas, Péri, arrête-toi là, elle est horrible cette course-poursuite, merde. Je pense pas bien tout le monde, le pire qui s'arrête, hein. Mon dieu, mais les gars, c'est quoi cette course-poursuite, frère? Il est trop mauvais là, c'est pas possible, hein. Eh, écoute-moi, jeune homme, arrête-toi là. Je suis sûr, la moitié du chat sont meilleurs que lui, frère. Non, mais là, c'est pas possible, hein. Tu prends n'importe qui à Los Santos, il est meilleur que lui là. Je pense que je vais devoir crier en fait. Ah, mais moi, je pense que je dois le pit surtout. Et puis, il prend aucun risque en fait. Allez, allez, garçon, fais voir ce que t'as dans le ventre, prends des risques. Oh, quel enfer, bordel. Eh, tu vas t'arrêter, on en aura le cul là. Si à la limite tu pouvais conduire ou essayer de nous semer, mais pourquoi pas, mais là on dit... Dis-moi, t'es à ton max là ou tu fais exprès? Non, attends, en vrai... Vous avez tiré sur mon collègue, y'aura pas de négociation. Il dit ça comme s'il allait nous semer. Non, s'il te plaît, arrête-toi, t'es trop fort. Non mais tu sais qu'en vrai, trop bien là, parce que du coup, ça nous fait un peu rater le roll call. Comme ça, on arrive après... S'il te plaît en... Ouais, j'avoue, c'est pas mal, c'est tout bénef. S'il te plaît, arrête-toi, on aimerait négocier, t'es tellement fort. On n'arrive pas à te suivre. Comment ça on a tiré sur son collègue? Je sais pas. Il a dit ouais, comme vous avez tiré sur mon collègue, y'aura pas de négociation, je m'arrête pas. En mode il a fait une banque, c'est de pute. Bon, les braqueurs du dimanche là. Ils sont encore sur le terrain, faites un 9 PDB. Tu peux répondre? Ouais, dis, on est Adam 54, toujours en 10-56 d'une primo grise suite au GoFast. Adam 54, toujours en 10-56 d'une primo grise occupée une fois suite au dernier GoFast. T'es trop mignon quand tu fais les... Quand tu parles à la radio. C'est que moi, à chaque fois que je vais parler à quelqu'un ou que je vais faire une demande qui est dans mon intérêt, je vais parler grave mignon. Bon, ta grand-mère, tu vas t'arrêter, sale bâtard. T'es un menteur, t'as chuté. Ah, on en a ras la casquette, là, ça fait une heure qu'elle dure cette course-poursuite. On n'en peut plus, bordel de merde. Je te jure que je vais appeler des renforts, hein. Bon, Adam 54, est-ce qu'on a une unité qui peut venir nous aider en backup? Alors le véhicule est occupé une fois, mais la course poursuite dure depuis 30 minutes, ça devient vraiment long. Ah mais t'as vraiment parlé en radio? Ouais. Du coup tu me fais un jeu d'acteur au quartier. Non, pas du tout. Ok, merci. Y'a personne. Ah ok, bien pris. Bah finissez le roll call et puis s'il y a une unité qui peut venir racoler avec nous, parce que là ça devient... C'est une balade quoi qui nous fait de Los Santos là. En plus, il nous fait à chaque fois le même tour, ce con. Mais pourquoi il fait des zigzags comme ça là? Les gens comme ça qui parlent mi-anglais, mi. T'as la ref? Non, t'as pas la ref. Si, j'ai la ref, juste je suis en train de prendre un message là. Ah, je sais pas si elle passe par contre la scout. Si, il passe. Oh, ah, c'était dur quand même. Nickel. Ah, oh, c'était un peu serré, ouais. Eh, LSPD, arrêtez-vous! Ah, ben voilà! Allez, vas-y, descends! Eh, hey, don't move! Aïe! Téléphone au volant était pas la meilleure idée! Bonjour, monsieur, sortez du véhicule! Ouais! Eh, ben voilà, BNF Max! Mon bras! Descendez du véhicule! Ouais. J'appelle les médecins, collègues! Hein. Monsieur, vous allez bien, rien de cassé? Toi aussi, tu prends ton gun. Non, mais faut arrêter au bout d'un moment donné. Bah écoutez, monsieur, on sait jamais qu'est-ce que vous avez. Attendez. Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'une assistance médicale? Non, ça ira. Allez, en voiture, c'est parti. Hop. J'écoute. Je vais faire un petit palpation, vous avez un truc. On vient d'interpeller l'individu là, on va arriver au poste, mais actuellement, on patrouille avec le matricule. Ton matricule 40.
Alors là, je palpe un peu là. Le coup de bois. Il est où votre couteau à peu près? Dans ma poche. Il est où? Dans ma poche. Ok. Mais arrête, arrête, ça, je vais vous le mettre. Mais là, tu lui palpes les couilles là. De côté. Il va falloir se calmer au bout d'un moment. Non, vous inquiétez pas. Ok, parfait, nickel. Du coup, vous pouvez monter dans la voiture. Hein. C'est un malade, Clémentinho. Je vous pousse. T'as des gants latex? Ben, toujours pas, non. Bon, ben c'est pas grave. Hein. Au pire, on fait ça avec un tissu. Hein. Y'a rien. Hein? Martin. Y'a rien. Y'a rien du tout. Poule, on a. Je t'explique, en fait, on a arrêté un mec qui était en train de charger. De se charger comme une mule au niveau du. Tu sais, de. C'était dans un espèce d'entrepôt et tout. Et le problème, c'est que y a pas de gants en latex de 1. Et là, quand je regarde à vue d'œil, y a rien. Pas de marchandises. Mais alors qu'on j'ai l'a vu là. J'ai des gants, moi. Ah, vas-y, bah, tu peux regarder, ouais. Mais le problème, c'est qu'on l'a vu charger devant nous, quoi. Bah ouais. Et sur lui, il a rien. Non. Et dans le après, coffre, après, j'ai fait une palpation, donc. Ouais, qu'est-ce qu'ils font tous en bas là? Ils sont en train de. Oh non, non, on descend pas, on descend pas. Ah, je vais pas descendre. Pourquoi tu le dis ça? Un réveil musculaire à l'extérieur, Anderson. Ah ben bon courage en tout cas, nous on est en procédure, en procédure. Oh putain. Oh regarde comment ils sont en train de pomper. Mais attends, là ils ont été dispatchés ou pas? Je sais pas. Bah viens, 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 on va montrer, on y va ensemble quoi. Ah non, non, t'inquiète, regarde, fais-moi confiance, on va. Regarde, viens, tu vas voir. Attends. Regarde, tu vas voir c'est quoi ce poulet. Viens, 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 viens. On va trouver un moyen d'aller jusqu'à la base sans se faire choper. Hop, tu viens là. Je connais le poste comme ma poche, hein, ça fait tellement longtemps. Tu viens là, bam. Si on se fait choper, moi je suis déjà mis à pied là, de base. Vous avez même pas patrouillé. Mais non. Oh, oh attends. C'est quoi là? C'est mon shadow. Non, non, allez-y. On boxe, droite-gauche, droite-gauche. Putain de merde. Oh la dinguerie. Non, c'est le mien, c'est le mien. Oh la dinguerie, frère. Oh la la. Oh la 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 la. Ah ça va, heureusement que j'avais mon Kevlar. Après t'avais une petite chute là. Ouais ça va, c'est une petite chute. Rien de grave, j'espère. Non vous inquiétez pas, c'est bon, je m'en occupe. Hein. Je m'en occupe. Hein. Ça va, ça va. Il a fait une petite assistance. Il a fait une petite chute, ne vous inquiétez pas. Non mais allez, allez faire du sport, hein. Allez, c'est pas une raison d'être. Non, 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 on laisse pas un collègue à terre. Non mais je m'en occupe, j'appelle les médecins. J'ai fait une petite chute. Tu dois pas rester seul. J'ai fait une petite chute, rien de grave. Et une chute de quoi? T'as précisé tout. Je veux m'asseoir. Ça va mieux? Ouais, non, non, mais là, fou, j'ai tourné, je m'asseoir. Vas-y, Carter, vous pouvez remonter. Captain? Oui. On a des traîtres. Qu'est-ce qui se passe? Certains ont pris l'ascenseur. Alors, vous mettez ceux qui ont pris l'ascenseur sur l'estrade. Monsieur capitaine. Ah, vous êtes en forme aujourd'hui, capitaine, là, de faire du. Ça me rappelle mes années quand je bossais à la mairie de Los Santos. En fait, le matin, on arrivait à 9h et on faisait des échauffements qui duraient 2h d'ailleurs. Vous arriviez à 9h. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Et après, on faisait 2h d'échauffement où c'est que par exemple, on bougeait un peu les bras et après, on allait prendre le café et se reposer toute la journée. Ah, mais d'accord, ouais, bah. À la mairie. À la mairie. Fonctionnaire, fonctionnaire. Ah, elle est belle la vie de fonctionnaire. Après, on faisait des petits tours en camion aussi. On regardait si toutes les barrières étaient bien. Oui, d'accord. S'il y avait pas de poubelle qui traînait. Bon, c'est bon, vous remontez là ou vous êtes fatigué? Ouais, je vais remonter un peu, mais c'est juste que j'ai fait quand même. Je vais t'aider. Hein. Ouais. Vas-y, aidez-le à remonter. Oh là là, je pense que je suis blessé, je pourrais pas faire de sport aujourd'hui. Ah merde. À chaque fois, je vous vois, à chaque fois, vous êtes assis. Ah ouais, mais comme d'habitude. Allez. Ah non, d'accord. Ah mince, pas de sport pour moi aujourd'hui. Pas de service du coup ce soir, j'ai pas compris. Ah si si si, mais là juste j'ai besoin un peu de repos là. D'accord. Un petit peu de repos. C'est le procureur. Ah ça y est les gars, on a mangé le RP. En vrai c'est une bonne whisky. Hein. Ouais ouais. J'ai après ça va, t'es qui est tombé de 6 étages. En vrai ça va, j'ai fait exprès de tomber. C'est ça que je t'ai vu faire, mais c'est... En plus j'ai mis une demi-heure à tout descendre pour venir t'aider. En plus d'ailleurs tu as été... Allez-y Philippe, il faut que je parle à Anderson. Ah ok, et allez-y, après on parle, après, dans votre bureau. Parle à Del Perro. Si vous voulez, oui. Bah faut qu'on parle parce qu'apparemment je suis mis à pied. Ah oui c'est vous, oui oui, oui absolument oui. Ah, vous allez voir vous. Dites-moi hier on s'entretient, on se met d'accord sur le comportement et 5 minutes après votre début de service je vous entends dire radio je sais pas quoi là. Qu'est-ce que j'avais dit? Je sais plus mais encore des bêtises. Ah non non, moi la seule chose que j'ai dit dans la radio c'était bravo à Mouchtabaï parce qu'il a été exceptionnel hein. Non c'était pas ça. Ah c'était pas ça. Mozart assassiné. D'accord, pensez-y à chaque fois. Bah oui, non, mais écoutez, Mozart je vous explique. Ce n'est pas moi qui a dit ces choses-là dans la radio, ce sont ma rookie Billy. Pourtant, c'était votre voix. Ah bon, vous êtes sûr?
Je suis incertain. Mais alors, qu'est-ce que j'ai pu dire? Parce que moi, la seule chose que j'ai fait, c'était un petit bizutage entre guillemets des en familles. Personne. Oui. Mozart assassiné. Oui, 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 j'oublie pas. Mais vous avez pas entendu des calls radio indiquant, je sais pas, le vélodrome? Voilà. Est-ce que tout le monde va bien? Vous êtes en forme? Ça va et vous? Ouais ouais ah, t'inquiète, on a déjà fait le sport, Anderson. Nickel. Non, non, c'est bon, non, c'est bon, capitaine. On est bien là, on est très bien. Bien. Bon, Anderson, on est bon, on a déjà fait le sport. Ah, c'est celui qui a pris l'ascenseur? Ouais. Il est sur GTA Life là. Non, 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 non. Honte ceux qui prennent l'ascenseur. Allez, on repart. Je suis sur le meilleur serveur de France là. Si vous arrivez, je posais pas de questions. Si Amder, j'ai maté la rediff, j'ai pleuré, elle a beaucoup pleuré. Oh, c'était trop drôle, frère. Accident voiture. Oh, pas du tout. Vous êtes déchiré. Je suis tellement drôle. Capitaine. Vous êtes pas déchiré, hein. Non. Ce soir, reçu, donc, du coup, je veux vraiment un orchestre. D'accord. Et le dispatcher sera le chef d'orchestre et je serai la baguette. De l'orchestre. La baguette du chef d'orchestre, capitaine. Et Anderson, vous serez Mozart. D'accord. Oui, sacré baguette en tout cas, capitaine. Hein. Je sais pas qui c'est, je crois. Ah, si, si, je sais. Qui c'est Mozart, l'opéra rock, tout ça? Ouais, c'est exactement non, ça, ouais. Non, alors, là... alors, c'est pas lui, Mozart assassiné, je faisais référence. Ah, sa symphonie, tout ça, on connaît. Ouais. Bon, très bien. Pour le requiem. Donc voilà. Moi, je veux bien participer dans la gestion des. Okay. Oubliez ce que j'ai dit. Bon, bah, vous prenez l'opérateur. Voilà, voilà, c'est ça que je voulais dire. Merci beaucoup. C'est dur. Très bien, je vous laisse affecter les sous-morphes. Ouais, bah, du coup, je modifierai si tu veux. Ok. Ou, comme ça, j'ai. Anderson, vous pouvez rester là-bas, on s'en fait l'opérateur. Oui, c'est bon, l'opérateur, pas besoin après, de. Si vous sérieux, putain, mais je suis dégoûté. Un jour, vous irez sur la strade et. Très bien. Moi, j'ai dit ça juste pour être sur la strade. On prend la déposition du chat. Oh, excuse-moi. C'est important de prendre la déposition du chat. Ouais, ouais, ouais. Mais surtout que c'est. Oh, café. 44 et 54. D'accord. Billy? Oui. Ah bah on a déjà pas trouvé hier, c'est reparti le remake. Les. Ah non, vous changez ça du coup. Ah non, bah, on change. Ouais. Vous allez aller avec Payne. En plus, hier malheureusement, elle s'était trompée sur les cols cardinaux. Personne ne peut vous boiter. J'ai glissé un petit peu hier. Moi, je veux bien patrouiller avec le rookie, le Felipe. J'étais avec lui. J'étais avec lui juste avant. Ah, ok. Pas encore parti ouais. Parce que j'attends le capitaine. Ah, en fait, comme il est à pied, mise à ben, pied. 54, du coup, vous partirez avec monsieur Martin, c'est ça? C'est ça. Ok. Du coup, moi, je vais avec. Votre matricule? J'avais déjà dispatch le 28. Bah, vous m'avez avec Martins, mais du coup, il y a aussi. Ah, ok. Oh, bah, alors, oui, vous partez avec Martins après, et puis du coup, bah, 54 partira avec le capitaine. Ah bah, je patrouille ouais, carrément avec le capitaine aujourd'hui. Ah ouais, quel honneur. Vous allez voir, ouais. Oh bah c'est la première fois que je vais patrouiller. Allez préparer la voiture et attendez-moi sur le parking. Ok, boss. Darson, sortez le grand jeu, sortez le grand jeu. Pour ça toi, Felipe, hein, on est pas ensemble. Là. Marcus, je t'attends sur le parking aussi. Hein. Attends, mais Emily, c'est pas toi qui as patrouillé avec 30 ou 40 hier? Il faut que tu me racontes ta version des faits là, parce que là, ça va pas. Hein. Quelle version? Ah, il est convoqué dans le bureau du capitaine, là, il va se mettre mis à pied suite à votre patrouille, non? Qu'est-ce que tu me racontes? Nah, fais pas l'innocente, ah, c'est Emily si, Baker hier. Quoi? C'est bien toi, Emily Baker? Non. Bah t'es qui alors? Emily Berry. Ah oui, Berry, ouais. Dites au dispatcher, partez seul. Reçu, je suis avec le dispatcher en question. Tu parles plus? Non, j'envoie juste un message au capitaine, attends. D'accord. Ouais, le cap, là je suis avec le dispatcher en question. Bah, en fait, le dispatcher c'est Emily. Donc là, je suis en patrouille actuellement avec elle. Et puis, dès que vous avez terminé avec Felipe, bah, vous me tenez au courant. Allez, bah, bisous, capitaine. Hein. Et vous inquiétez pas. Comme on dit, Mozart assassiné, vous inquiétez pas, je vais me concentrer pour l'Office 3. Bisous, capitaine. Je vous aime. Autant que June. Oh putain. Je dis pas clé sur June quand même. Non, non, mais en fait, lui et June, je pense qu'ils s'aiment. Du coup, je lui dis, bah, je l'aime autant que June. Pardon? Mais non, il y avait des soucis. Il y a maintenant, June avait passé à autre chose. Tu rigoles? Ok. June avait passé à autre chose avec le capitaine. Ensuite, elle est avec Pablo. Et après, elle est avec Pablo. Maintenant, elle est plus avec. Elle est avec quelqu'un d'autre. Oh putain, le capitaine m'appelle en vidéo. Je suis bien là, j'ai tout ce qu'il faut? Oui, c'est bon. 09, okay. Tu viens interpellé sur ce titre qui s'entrec. Oh, quelle surprise, mon capitaine! Comment ouais, allez-vous? Tout va bien?
Tout va bien, merci. Là, je suis actuellement en Adam. Vous êtes avec Berry? Ah, juste. Attendez, je vous montre. Hop là. Vous êtes avec Berry là? Oui, je suis avec Berry, oui. Très bien. Ah oui, en effet, je vois ça. C'était un piège. Je voulais voir si vous étiez au volant ou au téléphone. Très bien. Ah non. Non, non, je suis pas au volant, pas au téléphone. Y a pas de. Y a... En fait, faites votre travail correctement. Hein, et entre vous et moi, voilà, on. Voilà, professionnel. Professionnel. Vous avez entendu mon message vocal? Oui, j'ai entendu le début et après je vous ai appelé, j'avais pas envie d'écouter la fin. Ok, parce qu'à la fin je parlais de June. Alors j'ai écouté alors. Eh ben écoutez à alors. À plus tard. Écoutez. D'ailleurs j'ai un scoop si jamais vous. Il a raccroché. Hey Emily, c'est qui toi déjà ton mec? Parce que y a tout le monde qui est en couple, j'ai l'impression un peu au LSPJ. Oui. Et toi du coup c'est qui ton mec? C'est Keon. Keon Jackson. Putain, ils sont bien les frangins. Il y en a un qui sort avec Lydia et l'autre qui sort avec Emily. C'est pour ça que je te disais, c'était ma belle-sœur hier, Emily. Ok. Ok, ok, bah du coup, c'est bon. Moi, je me suis arrangé avec Lydia. C'est vrai? Elle t'a dit quoi du coup? Elle m'a dit bah, qu'en fait, elle m'aimait secrètement et c'était un peu pour ça qu'elle essayait d'attirer mon attention. Mais je lui ai dit, écoute, c'est pas grave. T'inquiète. Merci de mettre vos cartes à jour. Ok. Oui, je t'écoute, mais c'est juste que là, du coup, je regardais en même temps le dispatch. Mais du coup, comment ouais, ça ouais, en fait, elle m'a dit qu'elle était amoureuse de moi. La première fois qu'elle m'a vu, tout, elle a craqué. Mais moi, je lui ai dit, écoute, t'as ton mec, moi, j'ai ma carrière, donc notre amour est impossible. Mm-hmm. C'est bien, t'as bien réagi. Évidemment, c'est complètement faux. Hein. Mm-hmm. Salut Felipe, ben moi, là, je suis opérateur, mais absolument rien à opérer, là. Y a pas d'appel. Et Berry, ben ouais, là, elle s'occupe du dispatch, là, où elle est au téléphone. Mais qu'est-ce que vous faites à poil? En fait, c'est pas un bon truc, dispatcher et opérateur en même temps. Dans la même voiture. Il va bientôt finir, le capitaine. Ah, tu m'as dit quoi, Amy? Je te disais que. C'est à 42, répondez, TPH. Oh, oui. Merde. Écoute, si te dit pour. Ah, D. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Écoute, j'avais un peu chaud, ok? S'il te demande pour qu'il réponde TPH, faudrait déjà qu'il m'appelle. Je l'ai appelé accidentellement, en fait, j'avais un peu chaud, donc j'ai vite fait enlever mon t-shirt en haut là, pour faire évacuer un peu. Tu vois, mais là, il m'a vu à poil en fait. Il m'a vu à poil en FaceTime. Le torse poil, plutôt, pas à poil. Allô? C'était quoi ça? Pourquoi vous étiez à poil, Anderson? Ah ouais, j'étais pas à poil, j'étais juste hors ce poil en fait, j'aérais un petit peu parce que qu'est-ce que j'avais chaud là dans cette patrouille. Qu'est-ce qu'elle fait, Berry? Elle est au téléphone avec qui? Je n'arrive pas à la joindre. Berry, bah justement, elle m'a dit qu'elle n'arrivait pas à vous joindre non plus. Elle essaie de vous joindre là. Oui, bah oui. Bah je n'y arrive pas non plus. Bah attendez, elle va vous appeler. Je le rappelle. Attendez, raccrochez, elle va vous appeler. D'accord. Bougez, appelle pas, hein, elle va vous appeler. Ok, appelle là. Le. Il est occupé, il s'en occupe, excuse-moi. Non, raccroche. Ok. Et du coup, je peux me mettre hors ce poil ou non, ouais? Mais non, t'es en patrouille. Fais chier toutes ces procédures. Hein. Toutes ces règles. Oh là là. Allo, Captain, agent 54 à l'appareil. Elle a essayé de me joindre? Ah, bah elle a essayé de vous joindre depuis tout à l'heure, mais ça sonne occupé direct. Coupez vos codes. Ah ouais, coupez, vos codes. Ouais. Coupez vos codes, Berry. Bah, non. J'ai pas de code. Non, ah, elle Moi a pas aussi. De code. Mais j'ai pas de code. Moi aussi, mais elle a dû me bloquer. Hein. Ah, tu l'as bloqué, t'as bloqué le cap, Berry? Non. Motos, non, elle vous a pas bloqué. Dites-lui que je pars avec l'officier 3, secteur 15. Il part avec l'officier 3, secteur 15. Adam, faut créer notre carte. Okay. Faut créer notre carte. Secteur 15. Attends, il part avec qui là? Avec 3, secteur 15, il faut créer notre carte. 03, secteur 15. Ouais, ils sont devant. Ils sont devant si jamais. À 900 mètres. Ah Berry, je peux conduire? Oui, conduis. Attends. Vas-y, va derrière. Je vais anticiper devant, mouche ta baille. Non, laisse-le, c'est le principal pour suite. Ok, Habibi. Je parle dans son dialecte. D'accord. Habibi, ça veut dire mon ami. Ça veut dire chérie. Ah merde, je savais pas ça. Ah, en fait, je voulais te dire, parce que mouche ta baille, tout à l'heure, il m'a appris comment dire une fille, t'es jolie. Donc, Emily, je voulais te dire Nico Mouk. Et c'est sincère. Arrête, Brian. Quoi? Ah mais vraiment, Nico Mouk, hein. Sache-le, Emily. Ça veut pas dire ça, hein. Ça veut dire quoi? Non, mais dis pas qu'ils m'ont pranké. Si, t'as pranké. Oh le connard. C'est une grosse insulte, hein, sur les mamans surtout. Non, ça veut dire quoi? Je suis pas sûr, hein. Je crois que c'est plutôt Nick. Ah bah je suis désolé, Emily, je retire ce que j'ai dit. Qui vient de passer à côté du RS Custom, la moto que vous devez suivre avait tourné juste là. Sache en tout cas que ta mère, c'est une reine. Parce qu'elle a fait une princesse.
Oh, oh putain, belle disquette. Merci, mais je respecte puisque t'es en couple, je arrête les disquettes. J'ai bien pris pour. Après, si tu veux, je peux te faire des disquettes, okay, mais attends, amical. Attends, on arrive sur Place des Cubes. C'est autant de disquettes que tu veux. Adam 08, podcast sur dernière phrase. Ah non, mais moi, tu sais que ça m'aide à me concentrer quand je conduis. De quoi? De parler en même temps? Ouais. C'est vrai. Ça m'aide Adam à évacuer un petit peu la pression et tout. Adam 42, backup de la numéro 1. Comme quand je fais l'amour. Pourquoi? Je suis très bavard. Attends. Il a pas compris, je crois. Ouais, j'ai des questions de fou. Oh, les sujets de fou, frère. On va me prendre pour un détraqué. C'est qui la voiture juste devant? Toi, t'es plutôt bavarde ou... Ouais, non, laisse tomber. Ça va. Mais ah, mais c'est quand qui tu fais juste le... devant? Ouais, devant, c'est Mouchtabaï. Bah voilà, mais pourquoi... Les gars, ça se pose comme question, compris, non? Ça se passe pas. La voiture qui était derrière, c'était nous. Je vais l'appeler. Ah frère, non, c'est des questions de fou que je lui pose là. Du coup, Emily, toi avec Eon, bon après, c'est, j'espère c'est pas déplacé ce que je vais dire, hein, c'est pas intrusif. Demain. Mais quand vous le faites, est-ce que vous êtes bavard ou c'est silencieux? Bah, on échange, c'est, ça dépend de la façon dont c'est fait. Ok, ok. Parlez pas du beau temps et de la pluie, quoi. Bah, ça dépend. Oh, attention, 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 on reste groupé. Ouais. Non, t'inquiète pas. Ouais. Ok. Ouais, t'inquiète, je reste en appel. Ok, il repart. Ok. Franchement, ça dépend en fait, ça dépend aussi du moment, de tes envies, etc. Si t'as une discussion. Putain, mais t'es assez ouvert d'esprit quand même, Amy. Parce que moi, je t'explique, j'ai pas trouvé avec tu plein de sur personnes. Le mégaphone. Ah merde. C'est vrai que là, si je gueule, ouais, Emily, bavarde dans le mégaphone, ça craint. Non, bah parce que moi, j'ai pas trouvé avec plein de personnes et tout, et des fois, je peux poser des questions qui sont un peu. Où c'est que les personnes n'osent pas répondre, mais toi pour le oui, moment. Tu peux poser des questions, toi pour le moment, t'es assez ouvert d'esprit. Ouais, mais freine devant moi, le collègue. Lâche-nous! Bah non. Ah non, on fait notre taf, messieurs! Là, je reste à cette. Distance. Ah bah, attention, messieurs! Messieurs, c'est très dangereux ce que vous faites là, attention! Hein. Lâchez-nous! C'est très dangereux, messieurs, ce que vous faites là avec vos motos quand même, hein! LSPD, messieurs, sortez! Cessez ces activités illégales, messieurs, rendez-vous! Coopérez avec les forces de police! Non! Passe, passe, passe! Ok. Aïe! Vas-y, accélère maintenant, c'est comme ça tu te fais pas bloquer par les motos. Ah, mais surtout en fait, quand il y a des plans mules, faut anticiper et le coller au cul, le mec. Mmh. Bah là, colle le chat. Sans le faire tomber. Hop là, dans le cucu. Eh, tu sais, Emi, vraiment, hein, que Mouchtabaï, il est vraiment... Il est vraiment... Oh putain. Ah, me fait chier cet haut-parleur, là. Ouais. Je te disais, ouais, Mouchtabaï, vraiment... je trouve, il est vraiment pas mauvais, tu vois, on fait la bonne paire ensemble. Tu vas voir, là, regarde, ouvre bien tes yeux, le spectacle va être grandiose. Ah, incroyable. Oh. Ouh là, bon là, je parlais pas de ce spectacle-là. Alors ? Tenez-vous prêt, peut-être que la dame va sortir. Non, elle va pas sortir la dame. La dame elle va essayer de repartir surtout. C'est pas la dame qui tire. Vas-y, passe sur le côté droit. Lâchez-nous la grappe. Non. Elle va pas vous lâcher la grappe. 42 Adam 28. C'est la première fois que tu fais dispatcheuse ? À l'écoute ? Oui. Pouvez-vous faire un 10-19, aller récupérer 29 dans notre patrouille qui se transforme bah se en Adam plus 1. Copie. Ah bah ça se voit. Ça se voit que c'est la première fois. Sur le dernier 10, 40 des ça va, tu t'en sors bien là enfin, franchement ça va, je suis contente. Ok, pas de panique surtout. Hein. Mais poussez-vous des motos et... Bande de con. Ah. Ah putain. Oui. Tu pars avec 28 et... Descendez, levez les mains en l'air. Levez les mains en l'air. Mains en l'air. 90 pour Sylvain, refaites un 10-35. Attends, je finis. Je Adam 54, besoin d'unité sur ce 10-35 pour sécuriser le 4-4. On est entouré là. Ok, c'est bon, ça a l'air good. Ok, les motos, ils ont pris la fuite. Menottez-la. Allez-y, menottez-la. Regardez si jamais il n'y a rien à signaler dans le secteur là. Ouais, t'inquiète, il y a les deux motos qui sont en fuite vers le sud. Ok, nickel.
Qu'on se fasse pas embarquer. En code 5 dans les alentours, c'est bon pour vous? Ok, ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On embarque le 4-4, on la menotte et on décampe d'ici, c'est un peu dangereux. Ouais. Ah ben voilà. Eh Mouchtaba, j'étais. Oh, on décampe, on décampe. Shotfire là, faut décamper d'ici là. Shotfire, dépêchez-vous. Ok, hop. Palpez-la, mettez dedans. Viens. Oh, on se fait tirer dessus. Ça nous tire dessus. Ok, vite. Madame, venez, venez. Oui, oui. Mettez-la dans un véhicule, on embarque là, on reste pas ici. Arrêtez de stresser, vous me stressez. Venez là, venez là. Mouchtaba, ça sert à rien là, on embarque, on s'arrache là, on prend le 4x4, on s'arrache. Punaise, Amber, j'ai appris un truc, mais faudra que je te dise après, mais oh, je suis chaud. Un truc sur toi. J'ai appris un truc sur toi, bon c'est abusé carrément. Mais je peux pas te dire. Non, bouge pas. Quoi? Non, je peux pas te dire encore. Je peux pas me le dire, tais-toi. C'est un secret que j'ai appris sur toi. Edouard 52, un secret que j'ai appris sur toi, ouais, mais je suis tellement pleine de secrets, tu sais. Non, mais un gros secret, hein. Et je suis déçu, tu me l'as pas dit en plus. Le gros secret. Je fais demi-tour, on aura besoin d'une unité en bas. T'es célibataire ou t'es en couple? Allez, dis-tu. Je suis en couple. Avec qui c'est ça? Edouard 52. Mais je sais, c'est qui moi? Bah oui, mais moi, heureusement que moi aussi je sais c'est qui. Et ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Appelle Lydia et vous partez toutes les deux ensemble. Mais je sais, c'est... Ah, c'est bon alors, parfait. Ça, y a de l'amour dans l'air par ici là. Tu sens pas cette odeur là? T'es fatigant, Anderson. Hé Anderson. Ouais, dis-moi... T'as nettoyé la dépendance sur l'hélipad? Ouais, j'ai tout est nickel, hein, t'inquiète pas. Ouais, t'as changé les draps et tout. Ouais, ouais, c'est nickel, t'inquiète pas, c'est. Non, t'as foutu c'est... quoi non, 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 rien. J'étais fatigué, je suis allé dormir un peu là-haut à l'infirmerie. Quoi. Et je me suis dit, je vais nettoyer un peu, quoi, ça me fait plaisir, pas vrai, Gomez? Très bien, bon. Gonzalez. Gonzalez. C'est toujours Gonzalez. Toujours Gonzalez, yes. Kenya, tu vas bien le boss? Le boss, casser les couilles. Bah non, mais Peña, c'est vraiment le boss, je trouve, en vrai, des sergents et tout, il a vraiment. J'ai vraiment hâte en tout cas d'avoir les petits traits là sur les manches. C'est des galons. Ouais, un jour peut-être Anderson. Ah non, mais c'est, la semaine prochaine, c'est sûr à 90% que je passe. Si le véhicule ne roule plus, ne vous approchez pas trop. Ah ouais, vous pas ouais. J'ai passé un accord de principe avec les capitaines. Ça fait combien de temps? Non, non, mais là c'est sûr, là c'est sûr, je leur ai dit. Non, mais ça fait combien de temps? 3 mois là, à peu près, chauffe 2. Waouh! Non, mais c'est rien, 3 mois. Ça manque ou pas? Oh, au fi 2, j'ai mis 4 ans, je crois. Ouais, mais c'est ce qui te manque, comment Anderson? Ouais, je sais ce qui me manque. Putain, il est lent, c'est vrai. Il me manque. Mais tu sais que là, je vais encore d'arrêter. Tu vois le véhicule gris là? Le convoi suspect, c'est moi, je l'ai arrêté. Je me suis mis en opposition devant, bam, il m'a rentré dedans et du coup, on l'a arrêté. Mais tous les jours, j'arrête et je fais des masterclass tous les jours en fait. Mais c'est bien d'arrêter déjà, Anderson, mais qu'est-ce qui vous manque? Venez voir ça. Regarde, venez voir regarde, ça. Regardez voir ce que Anderson a pu arrêter. Ce qui me manque, regardez ce qui me manque. Les arrestations, c'est pas ce qui va faire votre montée en grade, vous savez. Non, mais regardez-moi ça. Mais je suis un monstre, les collègues, faut le dire. Bravo, 200 pochons de cocaïne. Vous augmentez vos stats de saisie, bravo, c'est bien. Mais du coup, c'est quoi qui vous manque? Bah, peut-être en tant que comportement et caractère plutôt. Une meuf, je dirais. Non. Non, en tant que comportement et caractère, on sait rien. Oui, il y a quelque chose. Il y a une mine d'or. Du sérieux un peu, je pense. 200 pochons de cocaïne. 200 pochons de cocaïne. Bon, ouais. Bonjour. Oh. Et si, hola, comment est-ce que bonjour, vous êtes, c'est l'opérateur du LSPD. Pour une urgence, tapez 1. Pour discuter avec un officier, tapez 2. Pour toute autre chose, tapez 3. Oui, c'est moi. Attends, je crois qu'il faut que je tape sur les touches. 3. Quel est votre le sens de votre urgence? 1 pour déclarer vos impôts, tapez 1. 2 pour déposer une plainte, tapez 2. 3 pour insulter un agent, tapez 3. Je n'en peux faire ça. Incroyable. Mais non, mais c'est pas ce que je veux, moi. 4. J'appuie sur le 4 pour voir ça. 4. Quelle est la nature de votre urgence? Madame est non venue. Je suis au téléphone avec une boîte. Je n'ai pas compris. Veuillez répéter votre question. Quelle est la nature de votre urgence? Passage permis conduire, pendejo. Vous appelez à propos d'un permis de conduire? J'ai compris. Si. Mettez votre dispatch à jour, s'il vous plaît. Très bien, je vous transmets un agent compétent. Incroyable. J'ai trop bien foutu. Au niveau de la GOH. Allô? Veuillez patienter. Allô? Allô? Oh. Je vais demander de patienter, il y a une vieille musique, elle est éclatée. Et
Mais je sais pas, moi j'entendais plus rien avant la musique. Je me suis dit, ça y est, on peut pas. Hola. Ouais, allô. J'écoute. Si, hola, comment ça va? Ça va très bien. Je t'offre au service des permis là, c'est pourquoi? Super, c'est le service des permis en ligne. Ouais, là, je suis en direct de l'auto-école. C'est quoi l'urgence, monsieur? T'es un menteur, t'es pas en direct de l'auto-école. Moi, je suis devant l'auto-école, y'a personne. Bon, t'es un menteur. Je suis en télétravail, hein. Je suis en télétravail, j'ai un peu la flemme de gérer les permis. Ah, en télétravail, ah ouais, tu fais les passer. Attends. Tu fais passer des permis en télétravail. Écoute, j'y vais. Tu rigoles ou quoi? On fait quoi? On met un ordinateur sur le siège passager. Bon, écoute, on peut s'arranger, ok? Ajoute-moi sur Snap. Mon Snap, c'est permis gratuit. Non, pas permis gratuit, permis pas cher. Los Santos 31. Et puis après, on discute du prix directement sur Snapchat, d'accord? Permis pas cher, Los Santos 31, on négocie le tarot là-bas. C'est ça. On peut se faire ça direct. Si jamais vraiment il y a... Ajoute sur Snap. Si jamais vraiment il y a... Si vraiment il y a personne, il n'y a pas d'autre moyen, tu m'appelles, mais je te recommande quand même de passer direct par le permis là-bas. Quoi. Ouais, mais il n'y a personne dans cette auto-école, c'est 4 fois je passe. Mais non, mais tu peux le passer toi-même ton permis. T'as pas besoin d'un moniteur, hein. Ah bah oui. Incroyable. Et puis dans le pire des cas, si t'as pas le permis, aussi. Si t'as pas le permis, tu expliques aux policiers, voilà, tu leur dis oui, j'ai pas le permis, le moniteur, j'ai mon. Si tu je leur dis, dis ouais, j'ai pas le permis, c'est bon, ça passe. Non, tu leur dis, j'ai l'entretien avec le moniteur en cours. Tu leur dis ça, ça passe nickel. Genre c'est bon, je peux leur mentir et y aller. Ouais. Ah, après tu dis pas. C'est cool ça. Tu dis pas, c'est moi, je te l'ai dit. Hein. Ouais, t'inquiète. C'est quoi ton blaze? Moi, c'est Daniel. Je travaille au service des permis. Daniel du service des permis. Vas-y, bah, tu sais quoi, je t'ajoute sur le Snap. Vas-y. Daniel du service des permis. Ouais, ça c'est et nickel. Vas-y, t'inquiète, on s'attarde. Il me faudra juste nom, prénom, une photo de toi et ta date de naissance et après je t'imprime ça, ouais. Ouais, si je mets 500$ en plus, on peut s'arranger pour le nom. Je peux être John Smith. Oh bah là, y'a pas de problème, ouais. Super. Vas-y, je te. Ouais. Denis. Parce que nom de famille barre. C'est pour ça que je suis taxi. Enfin, c'est pour ça que je bosse au permis parce que j'ai essayé de faire. Ah oui, c'est pour ça, ils t'ont mis au permis. J'ai essayé de faire du stand-up, ça a pas marché. Ah non, mais je comprends du coup. Parce que là, c'est moyen. Ah ouais, c'est pas. Ok. Ok, bon bah écoute, je te remercie en tout cas. C'est quoi ton prénom? C'est John Smith, c'est ça? Tu peux m'appeler Guillermo, mais t'inquiète, on va s'allonger. Ok, mais écoute, Guillaume, ajoute-moi sur Snap et puis on part directement là-bas, Guillaume. Pas Guillaume. Allez, salut, bonne soirée, Guigui. Ciao. Qu'est-ce que c'est là, lui? Oh, c'est lui, Blasi. Ah, mais elle pleure maintenant. Punaise, ça m'a l'air tellement émouvant, ça. Non, mais madame, écoutez, on prend pas un malin plaisir à briser l'avenir de nos jeunes à Los Santos. Non, madame, écoutez, on est là uniquement pour faire notre métier. On va essayer de vous accompagner. Madame, on fait uniquement notre métier, on va essayer de vous accompagner au maximum, d'accord? Dans tout le trans. Dans tout le processus. C'est bon, vous avez demandé un avocat? D'incarcération et d'exécution jusqu'à la chaise électrique. Beria a demandé, on attend. Vous êtes moqué de moi. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer parce que vous. Déjà, ne vous inquiétez pas, madame, on est avec vous, on n'est pas là pour vous faire du mal. Voilà, on est de votre côté. On est de votre côté. Mais c'est lui, il s'est moqué de moi. Ah, il vous a dit quoi, ce vilain garnement? Alors, déjà, il a rigolé. Après, il m'a dit, ah ben comme ça, je serai promu officier 3 ou je sais pas quoi. Mm-hmm. Et après, il m'a dit, vous allez prendre 10 ans de prison avec tout ce que vous avez sur vous. Parce que c'est vous qui l'avez arrêté, Anderson? Oui. Bah, c'est bien, mais bon, c'est peut-être pas ça qui va vous faire dit, passer officier 3. Il a dit, trop fort, j'ai réussi à la bloquer et tout. Oui. Après, il a le droit de se vanter. Hein. Bah non, je sais pas, je serai gentil. C'est vrai que c'était bien joué, Anderson. Monsieur le procureur. Après, bon, quand les criminels se vantent, on dit rien, nous. Ah, oh, ouais, monsieur le procureur, dès qu'il me défend, ça fait plaisir. Pas les choses que je fais, moi. Écoutez, madame, dans tous les cas. Vous avez fait des choses illicites, je pense que juste dire une phrase, ça doit pas vous gêner grand chose. Bah, si ça me gêne. Eh bah, écoutez, tant pis pour vous. Bah, tant pis pour vous aussi, alors. Devinez, j'ai mis de qui? Non. Ah, pardon. Oh, c'est bon, pardon, désolé. Anderson. C'est pour la blague, comme elle chiale depuis tout à l'heure. Ouais, pardon. Oui, bah, laissez-la chialer, mais limitez pas. Parce que, bon. Sinon, vous arriverez au même stade qu'elle. Ok, pas de problème, désolé. Écoute, vraiment, je te dis un conseil, hein, prends ton avocat. Parce que là,
Je vais pas te faire un dessin, hein, mais tu vois, par exemple, si tu sautes d'un bâtiment du 10e étage et que tu t'écrases contre le sol. Alors, j'imagine. Ouais, ok. Là, ça va être la même chose à l'interrogatoire si t'as pas d'avocat. Avec ce que t'as fait là, avec ce que t'as pris là. Avec ce que t'avais. Ce que t'avais dans le coffre. Ben, je recommande fortement de prendre un avocat. Ah oui. C'est ce qu'il a dit, oui. Ah, c'est bienveillant là, mon prof. Oui, tout à l'heure, il était méchant, il a sa voix. Oui, non, mais là, c'est. Oui, c'est pour ça que je pleure plus. Il a jamais été méchant. Taquin, mais jamais méchant, madame. Il est juste méchant avec les femmes, c'est différent. Quoi ? Je sais pas, très cool, ça. Je vous jure que ce procureur, c'est le meilleur et le pire procureur en même temps, c'est trop bizarre. À chaque fois, il fait des interventions, mais elles sont incompréhensibles des fois et. Oh, c'est ça, ouais, vous avez l'air d'être un petit peu champi précisé. Hey, t'as quel âge, toi ? Moi ? Ouais. J'ai 26 ans. Putain ! Ouais, c'est ça. Et t'as des problèmes d'élocution ? Ou enfin. Tu t'es mordu la langue ? C'est quoi le problème ? J'ai eu un accident. D'accord. Et vas-y, ouais, explique. Raconte-moi ton histoire. Ça va être long, ouais. Ok, non, mais fais-moi juste le débrief quand tu t'es pris l'accident. Enfin, à quel moment j'ai commencé à vous reparler comme ça. Du coup, quand j'étais jeune, j'avais pas beaucoup d'amis. 98% les gens, ils m'aimaient pas beaucoup. Je peux vous couper un petit instant ? Oui, donc, on a essayé de contacter un avocat, il ne répond pas. Soit vous attendez jusqu'à qu'il arrive, soit vous réclamez de ne pas avoir d'avocat et on commence. Non, Cadu, s'arrête. Du coup, vous voulez finir sur mon histoire ? Ouais, finalement, j'ai changé d'avis, je m'entends bourrine. C'est le copilote de votre unité. Non, ouais, écoute, vas-y, tu peux la raconter, je t'écoute. Non, c'est bon, j'ai plus envie de la raconter. Non, mais non, je t'ai vexé. Non, en plus, oui, en plus... Savannah ! Tiens, non, regarde, c'est quoi, vas-y, fais-moi un check. Non, c'est bon, je veux plus, je n'entends plus, je n'écoute plus. Voilà. Check-moi ça, bro. Allez, raconte-moi ton histoire. Ok. Ok, vas-y, je t'écoute. Du coup, pour faire bref, il y a des gens, ils étaient méchants avec moi. Et ils m'ont invité à une soirée. Je pensais que c'était mes amis, mais c'était pas mes amis. Adam, du coup, ils ont fait du mal à moi. Et quand je suis reparti en voiture, bah, je purée. Alors, du coup, j'ai eu un accident avec mon camion. Comment j'en ai rien à foutre. Putain. Les gens ils sont trop méchants. Ah ouais, chaud. Vas-y, bah super, bah force à toi, Brian. À demain. C'est reçu, merci à vous. Il s'est passé quoi pour toi, du coup, Felipe ? Que je te mens pas, moi là, j'ai passé ma soirée avec la dispatcheuse là, fait que dispatcher, ça me rend ouf. Donc, si tu veux, on part en Adam. Ouais, Laisse Pili, on va rentrer dans la. Ouais, je suis avec Takumi là. On m'a changé. T'étais en patrouille, toi ? Eh, moi, je suis avec Gliad, moi. Avec qui ? Gliad, en l'air. Ça va, ça se passe bien. En évidence, Gliad. On est armé, on va tirer. Comment ça, il s'appelle Gliad ? Apu, ça va, rien à signaler, nickel ? Ouais. Bah, moi, en fait. T'es avec une dame, elle s'appelle Gliad. Oh putain. T'es avec une dame, elle s'appelle Gliad ? Gliad. Ah, Lydia, merde. Ah, Lydia. Ouais, Lydia, tu vas voir, elle est cool. Pervers, hein. Ça va, elle est cool. Ouais, sacré poster là, poule. Hein. Ça m'a passé ta soirée ? Bah, là, depuis ça faisait une heure, j'étais en procédure avec Émilie. Oh, franchement, Émilie. Oh, ouais, je viens d'arrêter d'un gros porc là. Oh, Émilie, franchement, t'avais raison à son sujet. Hein. Mais t'as vu comment elle est trop chiant. Enfin, on respecte, hein. Non, arrête, respecte. Mais c'est vrai que, du coup, vu qu'elle était dispatcheuse, bah, j'ai l'impression que j'existais pas trop, tu vois. J'étais là, mais une déco. Une guirlande de. Tu as juste envie de partir en patrouille, tu m'as dit force à toi. Ah, mon gars, c'est surtout toi, force à toi. Non, mais après, elle est gentille en vrai, elle a un côté gentil, quoi. Elle a un bon fond. Ouais, quand t'allais pas là, quoi. Bon, t'es vraiment malade, Felipe. Bon, allez, je te laisse, je suis avec Takumi. C'est un japonais, il a un petit kiki, c'est trop drôle. Bon, allez, salut. Choper le chocolat. Oh, oh, qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Non, y'a rien. Calme-toi, y'a rien. Hola. Ok. Y'a rien, Seigneur. Non, mais il se reconnaîtra pas. Fais gaffe, ça. Il se reconnaîtra pas. Sur le trottoir, les fashion. Quoi ? Takumi, fais gaffe, Takumi. Fais gaffe, Takumi, reste sur tes appuis là quand on se fait encercler. Hein.
Ouais, ça je me doute. Et t'as vu, ça a changé un peu le RS1, hein, ils ont fait des travaux et tout. Dingue, c'est devenu un vrai truc, je te jure. Là, on se croirait vraiment à Tokyo, quoi. Réparation. Mais vraiment, ça fait plaisir. Brian, ou Atama, ou Shoni, il y a une réparation sur eux. Bon, et bah écoutez, allez, bon courage, à bientôt. Ciao, bisous, et vive le Japon. Bonne soirée. Salut, ciao. Vive le Japon, ouais. Je les aime bien, les Chinois. On fait le gros. Oh, le gros rasseur. Putain, mais j'en peux plus. Ah, tiens, vas-y, conduis. Ouais, parce que t'es l'opérateur en plus. Donc... On entoure. Comment ça, des Chinois là? Ah, oui, non, désolé, je voulais dire. Coréen. T'es américain, dégage. Non, je suis japonais, ta gueule. Japonais, ok. Japonais, désolé. J'ai vécu là-bas. Non, j'ai confondu parce que vous êtes tellement nombreux, quoi. Japonais. Quoi? Alors là. Ah non, mais. Non, mais je suis pas raciste, je mange les pâtes. Enfin, tu sais, j'achète les pâtes. Les gars, je suis pas raciste, je mange un couscous, c'est bon. Tu manges ça? Non, tu sais, je mange les trucs à 50 centimes là qui se réchauffent rapide. Ouais, les yum yum, ouais. Ouais, les yum yum. Les yum yum, ouais. Voilà, bah c'est bon. C'est hier, j'ai commandé sushi. Oh putain, non, mais là. Bon bah écoutez, en tout cas, vive le Japon et regardez Blue Lock, c'est très cool. Je suis pas raciste, je regarde Alice in Borderland. Oh, message d'une traître. Ah, c'est qui la traître? Sky. Ah oui, la fameuse. C'est qui ça? Non, je le connais pas, on va passer le voir là, on arrive au Lucky Pluckers. Ouais, il est parti vers où, Sky? Moi j'ai fait, il était à vélo vers l'unicorne. Ok, on va aller voir ça. Vas-y, vas-y. Chacun ses points forts. Oh là, bah alors. Oh, alors toi. Contrôle de police. Oh, elle a spéré sur le bas côté, néon. Le rouge et c'est nous en plus. Fuck. Il fuck. C'est ce qu'il dit, fuck. Il dit que là, mon pote, t'as aucune chance là. Et tu sais très bien pourquoi t'as aucune chance. Parce que t'as reconnu la voix du meilleur officier 54 du LSPD. Mais avec un peu de chance, aujourd'hui c'est pas moi qui conduis, donc peut-être que tu vas avoir une chance de t'échapper. Il en va arriver place des cubes, hein. Je me demande comment il va faire pour me semer là, s'il arrive à me semer. Parce que le mec qui conduit, il est fort, je vois c'est qui, c'est le mec, c'est les ballasts en fait. Des cubes, on passe Amination. Il nous avait mis la misère il y a deux jours, je sais pas si vous en rappelez. CDM toujours, on repart. Et c'est le genre de mec, ils ont des boîtes secrètes, tu vois. Genre ils vont passer dans des endroits chelous où tu peux pas passer. Oh, Davis. Et je me demande comment il va me semer, tu vois. Ah, s'il y arrive. On va en backup. Ils ont fait un 10-50 le backup là. 83, il nous faut un backup sous cette position. Frère, mais vas-y, les mecs qui roulent. Les collègues ils roulent en Buffalo, mais ils se prennent un 10. Ils font un 10-50 tous les 100 mètres. Comment c'est possible? Ça rejoint des grandes divisions de l'ADD et tout ce que tu veux. Derrière Rancho. Eh bah alors là, ça rigole un peu moins là. Eh bah alors, entends-moi là, mon vieux. Tout à l'heure, t'étais plus bavard, hein. Passe Tacos Rancho. Bavard tout à l'heure. Toujours Rancho, direction Est. Rancho, on est passé direction Sud vers le port. Comment il va me semer? Comment il va faire? Alors vas-y, hein. Ah. Allez, mon vieux, tu sais très bien que c'est bientôt terminé. Regarde, elle commence déjà à fumer. Elle fume déjà ta caisse. Au niveau du port, toujours. Le VATMC. Euh, 11 pour 83 unités qui vient sur vous ou pas? Affirmatif, qu'est-ce que c'est reçu, appelez-vous par TPH. Là, ça sent la grosse merde. Là, ça sent pas bon. Là, ça sent la merde. Hey, il m'a pris en otage. Aïe. Et c'est game over, les filles. Let's go. A plus un 30, 10-30. Let's go. Là, il y en a un. Est-ce que tu vois le deuxième? Ouais, on a les deux devant là, nickel. Vas-y, prends les deux, les lâche pas, je vais aller chercher la voiture.
Allez, direction la cellule. Alors, du coup, il n'y a plus qu'à analyser où il est. Pour la dame contre d'harceler l'individu. Hé, Tom et Jerry, arrête-toi. Aïe. Oh non, je l'ai raté, putain. Il est en train de m'humilier ce matin. Ah c'est bon, il s'est arrêté. Eh ben voilà, let's go, c'est win. On se rend sur le dernier convoi suspect, on a... Pow. Fuck des chiens, bon. Fuck des chiens, je m'attendais pas à cavaler autant, man. Je t'avais dit, t'es tombé sur le mauvais conducteur, mon vieux. Les gars, oh, il est avec qui, tu réussis à m'arrêter, toi. Oh, le menteur. Je n'ai jamais raté une course poursuite. Jamais raté une course poursuite. Je suis en win rate à 100%. Et les deux d'avant, c'était pas moi, malheureusement. J'ai un KDA de 2,0. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, c'est pour ça. Pourtant, il me semblait t'avoir vu plus d'une fois dans mon rétro. On avance. Les gars, ils étaient avec eux. Eh ben moi, je vais te voir plus d'une fois dans ma cellule. Allez, on embarque les deux, c'est parti, on va les prendre. Mais de la mettre dans le coffre, vous pouvez être tout transféré dans une stanière. Oh my god. Il y a plein de cristaux là, allez. Non mais c'est terrible, non mais ce soir, c'est carton plein en fait. Allo? Oui, capitaine, voilà, juste pour vous dire que c'est bon, opération terminée. Du coup, j'étais avec mon scout, on a arrêté une aura pixelée avec une cinquantaine de mètres, pochon de mètres. C'est vrai? Ouais. Juste avant, bien sûr, j'étais sur le convoi, là, convoi suspect avec plus de 200 pochons de cocaïne. Et, non! Ah, si, je vous assure! Ah, si! Et donc. Ah oui, moi, et c'est toujours moi justement qui fait ce mouvement décisif là, bam, le truc, au moment où on le perd, bah j'arrive à retrouver l'individu Jackson, et. FaceTime, là, et, ça fait plaisir quoi. Ça fait plaisir, là Jackson, je suis avec mon adam partner Takumi. Bonsoir, Takumi. Je supplie, viens. Oui, je suis avec le capitaine, je disais parce que vis-à-vis de DT, vu que j'ai arrêté. Dis-lui qu'on a fait, on a arrêté des stupes. On a arrêté les stupes, voilà. Voilà, c'est le deuxième ce soir, c'est le deuxième. Là, on a fait 200 de cocaïne juste avant, là, on fait 52 mètres. C'est beau, c'est une bonne soirée. Allez, bisous, capitaine. Bah écoutez, continuez comme ça, c'est bien, je vois. Viens m'aider, y'a plus. Continuez comme ça, Anderson. Dans le coffre. Allô? 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 On se rappelle, hein, bon courage. A plus tard. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, je reprends dès le début. Madame, monsieur, nous sommes le. Vous êtes en état d'arrestation pour. Vous avez le droit de garder le silence, tout ce que vous direz pourra et sera retenu contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit d'avoir un avocat et un avocat présent lors de votre interrogatoire. Si vous n'en avez pas les moyens, un avocat vous serez commis d'office. Vous. Putain, merde. Oh, ça va être tellement long. Faut que t'arrêtes de consommer la mètre que tu prends au jeu. Vous pouvez décider à n'importe quel moment de niquer votre... Eh, les arrêts, ce gars-là, ou pas? Anderson, vous voulez que je le fasse ou pas? Je veux bien que vous le fassiez, s'il vous plaît. Siri, espèce de connasse, Siri. Doucement. Siri. Non, je vais les désinstaller cette application là. Ok, monsieur. Je me suis fait pranker par Siri. Nous sommes actuellement le 27/12/2022. Il est actuellement minuit 40. Et vous avez droit de garder silence. Je pensais que j'étais tout seul, je me retourne, je vois tout le poste. Vous pourra y sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un avocat d'avoir Ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas fait brain par le chat. Un avocat vous sera fourni gratuitement durant chaque interrogatoire. Vous pourrez décider à n'importe quel moment d'exercer ses droits, de ne répondre aucune question ou de faire aucune déposition. Monsieur, avez-vous bien compris vos droits? Et sachez qu'à n'importe quel moment de la procédure, vous pourrez faire appel de vos droits. Anderson, tu peux le fouiller. Jackson, on y va. Ouf, quel charisme, Mackenzie, merci. Let's go. Ça va, dans l'eau de la nation ou quoi? Milo? Ben ouais. Mais qu'est-ce que tu fais en tôle? J'ai provoqué la TD. Je les ai défiés. Mais t'es con ou quoi, Milo? Punaise, je te voyais comme Ned Flanders, le voisin le plus gentil du monde. Mais non, j'avais envie de m'amuser ce soir. J'ai dit, vas-y, je vais les défier. Mais Milo, encore, on s'amuse pas avec la police, c'est pas bien. Et encore, je me suis arrêté à côté du PDP. Putain, tu vois, c'est ça ton problème. Milo, je pensais que t'étais l'homme le plus gentil de Los Santos. Ouais, mais j'avais envie de m'amuser un peu ce soir. T'as pas fait de dégâts matériels, rien de grave? Non. Bon, juste, bah alors c'est pas grave. Juste contre-sens et tout, refus d'op et tranquille. Ok,
Mais fais gaffe quand même, parce que tu... On est d'accord que... Enfin, tu... T'as un taf. Bah ouais. C'est à toi le Béniz. Je suis DRH. DRH? Bah oui, je suis DRH. Ah mais tu sais qu'un gros casier, ça pourrait peut-être t'apporter des préjudices dans ta carrière professionnelle, hein. Fais gaffe à toi. Tu veux que je te lise? C'est la première fois que je le fais. Ok. Bon, et ben en tout cas, Milo... Même moi, je dis la vérité, c'est vrai qu'il faut toujours faire sa première fois. Et une fois que tu l'as fait, après c'est bon, tu sais ce que ça fait. Ok ouais, bah allez, je compte sur toi. C'est pour ça que j'avais envie de m'amuser. Putain, mais qu'est-ce qu'elle a ma mâchoire là? Comment ça? Tu vois pas un truc bizarre sur ma bouche? Non. Oh le bâtard. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'elle fout dans la photo, Mégane? C'est Adam, il m'a dit de te montrer ça. Faire comme si j'ai rien vu. Hein. Pourquoi c'est qui la femme? Tiens, je t'envoie, je crois que je vais lui envoyer. Vas-y, vas-y, c'est Megan Carter, c'est la mère de mon gosse. Quoi? Ouais, j'ai un gosse. Ouais, j'ai un gosse. Et comment il s'appelle ton gosse? Kyle. Il est musulman? Non, mais je vais lui dire. Fais le convertir. Hein. Je vais lui dire de se convertir, ouais, je pense. Ah, c'est ça, j'ai un contact pour la circoncision si tu veux. Ah, parce que nous, de base, dans la famille, bah. On est catho. Mais j'ai pas envie d'imposer quoi que ce soit à mon fils. C'est lui qui est libre de choisir sa foi et ses idéologies. Ok, bah il pourra passer un week-end avec moi. Donc pas, il va revenir avec une longue barre même s'il a 12 ans. Ah non, il est jeune. C'est pas grave, je jure, il va avoir une longue barre. Ok. Tac. Le 10-50, parce qu'en fait non, on a fait un accident, attends. Et l'accident, boum, il s'est transformé en course poursuite. Dans un rapport, il n'y a pas de matricule, code radio. Bon, allez, bonne soirée, les gars. Tu dis. Bonne soirée, les loupards. Bonne soirée. Tu dis le refus d'obtempérer se transformer en délai de fuite. Ok. Suite à cet accident, les individus. Copie pour Adam 52. Ont pris la fuite et ont entamé une. Et ont effectué. Ont pris la fuite sur un refus d'obtempérer. Top, tom, refus d'op. Oh, comment vous l'écrivez, les collègues, obtempéré? Ouais, je m'en bats les sous, hein. Obtempéré. De toute façon, qui c'est qui va le lire, ça? À part le proc. Bah, moi. Bonsoir. Monsieur le procureur, c'est grave s'il y a beaucoup de fautes dans le rapport? Bien évidemment que oui, parce que ça peut faire une vise de procédure. Du coup, je te souhaite une bonne soirée. Bah, merci, Scriben, hein. Copier-coller, Scriben, avant d'envoyer. Reverso, ouais, c'est pas mal. Donc, les individus à l'arrière de mon véhicule de service. Vous avez fini, Anderson, vous m'appellerez. Le scout. Nous plaçons donc les individus à l'arrière de mon véhicule de service. Le scout. Point. Retour à la ligne. Malheureusement. Malheureusement, nous nous étions pas rendus compte. Mais c'est un truc de ouf. Malheureusement, nous étions. Ah. Il y a deux nous. D'accord. Malheureusement, nous étions pas rendus compte. Malheureusement, nous. Non, c'est nous. Non, c'est nous. Non, c'est nous étions. Non, pas rendus compte. Nous. Nous ne. Nous ne nous. Pas mais rendus nous compte. Nous. C'est nous ne nous. Mais non, mais c'est nous ne nous. Nous étions pas rendus compte. Tu fais des remix, quoi. Ah putain, c'est terrible. Alors, malheureusement, nous ne nous étions pas rendus compte que les portes. La porte gauche arrière du véhicule était arrachée. Point. Pour ces procédures. Point final, c'est bon. Ouf, c'était long. Oui. C'est bon, en fait, j'en ai pas besoin. Cassidy, maintenant, il va en faire un. Non. Tu fous de ma gueule. Ma gueule. J'ai juste besoin d'une photo du mec et puis c'est bon. Chut, fous de ma gueule. Ah bah force à toi, Anderson.
Ça fait une heure, j'ai le premier rapport que je fais là en 6 ans de service. Non mais ça va pas servir à rien, envoie-moi quand même. Oh, je traduis. Je t'adore. En plus, le dossier me l'a envoyé, ça fait 10 minutes. Ah, bonne soirée. Je vois, il était bien lancé comme soirée. Ça. En plus, moi j'ai bien écrit, j'ai fait aucune faute et tout. Bah, j'ai vu ça, je me suis dit, ah ça y est, il est motivé, j'allais pas. Pour une fois qu'il est motivé, faut pas l'arrêter. Ok. Nous étions en patrouille avec Takumi, AK-83. T'entends la musique ou pas? Lorsque nous sommes passés dans une intersection. Bam dans le sanglier, les GD50 avec une Cypher Oracle XLS grise occupée deux fois. Suite à cet accident, les individus ont pris la fuite sur un refus d'obtempérer qui durera approximativement 15 minutes. Les individus vont ensuite être interpellés au niveau des docks. Lors de l'investigation du véhicule, des fugitifs nous nous rendons compte qu'il contient une cinquantaine de grammes de meth. Nous plaçons donc les individus à l'arrière de mon véhicule de service, le scout. Anderson. Malheureusement, Ce moment-là, il est dur. C'était excellent. Ok, merci. On va aller faire la photo sort de la cellule. C'est bon? Ouais, sort de la cellule. Je te lirai la suite après, mais il y a un moment, je bloque, j'arrive pas à le passer. Ça va bien se passer, Anderson. Malheureusement, nous. C'est un truc de dingue, t'arrives à dire nous ne nous étions pas rendus compte? Nous. T'es prêt? Okay. Vas-y. 3, 2, 1. Weed. Normalement, qui rentre dans le poste, mon banane devait déjà être enlevé. Allez-y, mettez-vous. Ça marche, non? Ouais, ça marche. Hop là. T'es vilain, hein? on va la refaire. Ouais, là c'est parfait. C'est beau comme ça, moi. Là c'est parfait. Serine, Miko. Nous sommes actuellement le 27 décembre 2022. Il y a une arcade. Attends, refais. Parfait. Monsieur le procureur, mais respect. Alors attendez, avant de déposer vos affaires, je dois effectuer une fouille. Avec j'ai votre temps. Viens, personne. Viens, Tata Aziza, on doit lancer. Non, monsieur le procureur, c'est juste que. Il a fait une tête très d'or. Tiens, faites voir la photo qui vous fait tant marrer que ça. Non, c'est pas obligé. Si, j'ai envie de la voir. Ah merde, vous pouvez m'envoyer un petit mail? Non, c'est bon, allez-y, faites un airdrop. Non, mais justement, en fait, j'ai pas pris de photo. Ah, c'est à ce point-là, d'accord. Ouais. J'ai pris une. En fait, j'ai pris une capture d'écran de mon téléphone, mais je me suis raté. T'en prie. Moi je pourrais pas le modifier surtout. Aïe. Ah mais désolé, mais vous voyez ça, comment garder votre sérieux, monsieur le procureur? Oh, ta tronche. Ah, il est déformé. Eh, Selman, t'es au courant que ta sœur elle a un mec? Ça fait plus de 3 semaines qu'elle est avec Gonzalez, oui, pourquoi? Bah, t'es au courant que sa sœur l'a dansé à l'unicorn? Putain, mais pourquoi comment dire? Je suis premier au courant. Pourquoi les meilleures gonzesses du service, elles sortent avec d'autres mecs que moi? Et toi? Ça ou ça? Bah, c'est juste une question, parce que c'est vrai que je me pose des questions, tu vois. C'est peut-être pas eux le problème, du coup. Sérieux? Mais tu trouves qu'il y a quelqu'un de plus drôle que moi dans le service? Y'a moi. Ouais, Mouchtabaï. Mouchtabaï, t'es plus drôle que moi. Bah ouais. Ouais, mais parce que toi, en même temps, désolé, hein, tu vas encore dire que c'est des préjugés. Mais vous, les Arabes, vous... Ça va pas. Mais vous êtes super drôle, en fait, ça le problème.
J'en ai marre. Bonne soirée, pas, j'en sais. Pas de soirée. Désolé, monsieur le procureur. Ouais, pas de soirée. Non, mais regarde, c'est même pas pour faire de la discriminatoire ou quoi, mais Gad Elmaleh, Jamel Debbouze. Non, mais vous êtes incroyable, Nassan. Il y a deux secondes, vous êtes en train de vous excuser, vous recommencez. Non, mais c'est juste que si jamais j'en suis arrivé à cette déduction-là, de dire que les Arabes sont très drôles, c'est parce qu'il y a des arguments derrière. Fini c'est le pas der, juste ou pas du racisme ou des trucs mal placés ou de la discrimination. Ok, merci, vas-y, j'envoie au procureur. Je t'envoie le DA, monsieur le procureur. Enfin. Moi, je me demande si je suis pas... Vous savez, des fois, je me demande si je suis pas arabe, moi aussi. Ah, c'est vrai que tu connais pas mal de vocabulaire. Hein. Bah, surtout que je suis drôle, quoi. Enfin, je crois. Ah, attendez, j'entendais un truc. Vous avez dit quoi? J'ai dit, je suis au fil 2. Ah, oui. Bon, de toute façon, on a bientôt terminé. Allez, on s'active maintenant. Allez, hop. Allez, tout le monde, on fait des efforts là, on essaie de... Parce que là, on est en train de se perdre. Mais non, mais on vient me l'envoyer, pourquoi vous dites que vous devez finir? Oui, voilà, bah, c'est bien, maintenant on a fini, on va... Allez, on avance un peu, parce que là, ça traîne. D'accord. Il faut qu'on rentre chez nous, on a des familles et tout. Surtout, monsieur le procureur, ça fait 4 heures, il est là. Allô, bonsoir. Allô, oui, bonjour, c'est la police, quelle est votre urgence? Je voudrais vous dire que ça vend de la cocaïne autour du Weasel News. Mais non. Mais monsieur, vous êtes une snitch. Bah ça, écoutez, ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer. Tout d'abord, à quel moment vous êtes dit, tiens, si je devenais une balance? J'allais appeler la police pour... D'accord, et donc vous souhaitez quoi? Devenir un indique? Qu'est-ce que... Non, pas du tout, je voulais juste vous informer, parce qu'il y a une personne qui traîne autour du Weasel News demandant à chaque passant si elle veut pas de la cocaïne. Ouais. Bah écoutez, ce qu'on va faire, vous savez ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'attraper en flagrant délit ensemble, ok? Ok? Ok, si vous voulez. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on se donne rendez-vous tout de suite au LTD, d'accord? Au LTD à l'intérieur de l'épicerie. Et après, vous allez embarquer, justement, vous allez aller voir l'individu. Vous allez faire la vente en direct, et puis moi je m'occupe des photos et de la vidéo. On fait ça, monsieur? Y a pas de souci. Allez, bah c'est parfait, un grand merci à vous. Fais ventrer là quoi, t'as loupé ta vocation. Écoutez, si ça se passe bien, je peux même faire de vous un homme riche. D'accord, monsieur? Parfait. Allez, bah nickel, on est sur la même longueur d'onde, j'arrive de suite. Psst. Ouais. Ouais, c'est toi la balance? Oui, c'est moi, c'est moi. Ok. Je pensais que t'étais une vraie balanceur du coup. Enfin, laisse tomber. Quoi? On va faire simple. Tu vas me dire vers où tu vas aller, je vais mettre en planque, ok? Ok, mais déjà, premièrement, il faut que je le retrouve. Ok. Et t'es pas trop discret avec ton véhicule. Ah ouais, merde. Ah mais faudrait pas, que tu te mettes en civil. Je suis pas habilité à prendre d'autres trucs. Au pire, je sors un camion du Weasel News. Ah ouais, vas-y. Ok, mais pour qui? Pour moi? Ouais, vas-y. Bah, pour nous. Et comment ça? Bah, au pire, on tourne, puisque y a une personne qui vient de tabasser une jeune demoiselle. Ouais, mais je suis en tenue, moi. Mais tu vas dans le coffre. Mais t'es... Ouais. Bah oui. Bon, écoute, faut juste pas que t'es brute la manière dont ça va être fait, ok, l'opération. Ok, y'a pas de soucis. Attends, personne ne sache que je me suis retrouvé dans le coffre d'un camion Weasel News en plein service. Pas même ta patronne, ok? Surtout pas ta patronne même. Je devais avoir un date avec elle. Avec Lynn? Non, pas avec Lynn. Avec June. Et Lynn, elle devient quoi? Je sais pas, particulièrement. Putain, elle manque trop mon bébé. Pourquoi c'est ah, parce que c'est mon ex. Comment je pouvais savoir? C'est si je dis qui... pas de conneries. C'est qui la snitch? C'est qui la snitch? Bon, on va arrêter cette opération tout de suite si vous continuez. Non, mais c'est une musique, t'as juste à dire c'est moi. Ok? Allez, on la refait. C'est qui la snitch? C'est qui la snitch? C'est moi. Ok, pas mal. T'es dans le rythme. Mais reste concentré quand même. Tu te fous de ma gueule? Allô? 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 Yola, m'entendez? Oui, je vous entends, monsieur, bonjour. Quelle est votre urgence? C'est pour vous dire que je suis un informateur anonyme et qu'il y a un gendarme qui va avoir lieu sur le ponton del Perro-Pierre. Oh la répète, snitch. Ponton del Perro-Pierre. Oui, je suis une snitch. C'est pour le bien de la ciudad, je suis le héros masqué. C'est le ponton de où? Le del Perro. Ponton del Perro-Pierre, une vente d'armes. Ça, vous voyez là où il y a la fête foraine? Oui. D'accord. Monsieur l'informateur anonyme, quel est votre nom? Bah, monsieur l'informateur anonyme. Ah oui, désolé.
Ok, c'est à quelle heure à peu près? 5 minutes. 5 à minutes, ok. À toutes les unités 54, est-ce qu'on a encore des unités sur le terrain? Affirmatif pour Robert 52. Alors en fait j'ai un informateur anonyme qui vient de m'appeler pour me faire part d'une transaction de vente d'armes sur le ploteau, le pont de la Del Perro d'ici 5 minutes. Eh oh. Edouard 52, c'est bien pris. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va se rassembler à un endroit et puis on va y aller, on va se mettre en position en planque sur les lieux. Et on va essayer de justement prendre des clichés, des photos, et dès qu'on a les preuves, on fera le top inter. 52, est-ce que quelqu'un a un visuel sur ce qui se passe? Toujours rien, rien à signaler côté Del Perro, toujours. Je pense que d'ici 5 minutes on a rien, on va décoller. Et ben là du coup, bienvenue à tes followers, on va tout simplement essayer de sauter par-dessus le bâtiment. Alors RP de fou, je sais pas, mais RP, voilà. Ok, c'est bon, t'es prêt ou pas? Ouais. C'est parti. Et ben voilà, tout simplement. Ah ben c'est bon, ça passe. Ok. Allez, à ton tour, on va échanger les rôles. T'es prêt? Vas-y, monte. Par contre, s'il tombe, comment je vais lancer ça, Mackenzie, putain. Ah ben voilà, bravo. Nickel. T'inquiète. C'était pas compliqué, bon allez, on continue. Hein. Ok. Je pense que ça sera complicado, hein. Mucha complicado. Regarde, on est bloqué. Putain, on est Kevlo. Et là, on est niqué. Eh ben, non, tu vois le balcon là-bas à droite? Regarde, décale-toi. Vas-y. Je le sens pas, mais vas-y. Et dans 52, il est 49, on décampe. Qu'est-ce que je fous là? Allez, bon courage, hein! Ah! Enculé! Bon, bah, c'est bon, hein! Tout est bien qui finit bien au final! Ah! 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 Ah, putain! Ah, mais tu m'as tasé, enculé! Ben non! Bah, si, tu m'as tasé! Et non! Vas-y, viens, on va chercher la caisse, on s'arrache d'ici, y'a rien à signaler. Attends, ouais, je voulais savoir, demain, ça te dit de faire une petite patrouille tôt? Toi ? Ouais, parce que d'habitude moi tu vois je me pointe plus vers 21h-22h. Mais demain je voulais venir un peu plus tard, prendre mon service et tout. Et comme il faudrait qu'on enterre la hache de guerre, je me suis dit autant proposer une petite patrouille avec Lydia dans les eaux de 19h45, 20h vers là. Ouais, t'abuses, non, grave pas. Et pourquoi ? C'est tout, en vrai je te redirai sur de live au pire, mais là c'est tout. Hein. Non mais justement, mais après, parce qu'après moi je serai pas trop peut-être dispo, ou il y aura peut-être les autres collègues ou quoi. Donc c'est toi qui vois, Lydia. Bah à 19h45 ça fait tôt. Oui hein. Je sais justement, mais je dois beaucoup patrouiller, c'est une longue histoire en fait. Oui, pour passer officier 3. Ouais, si on peut dire ça, ouais. Tu dois patrouiller avec des gens qui t'ont eu des embrouilles. Non mais Lydia, mais pourquoi tout le temps tu crois qu'il y a quelque chose derrière le... derrière notre amitié? Il y a quelque chose là, Brian, d'accord. Non. Jure-le. Non, je te jure, il y a rien. Là je suis avec 19 et il m'a dit, là, votre patrouille elle était incroyable, c'est super bien passé. Pareil, Felipe il m'a dit, votre patrouille elle était cool et tout. Mais donc... j'ai jamais patrouillé avec elle, qu'est-ce que tu me racontes? Ah merde, 19, excuse, je pensais que t'avais déjà patrouillé avec Lydia. Bon, écoute Lydia, je te laisse, je dois y aller. Tu fais quoi là? T'es avec ton... Vous êtes avec vos copains, tout ça, ça profite de la vie. Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Mais protégez-vous quand même les jeunes, hein, c'est important. Ouais, allez, ouais, bisous. Yes. J'allais dire une connerie, mais laisse tomber. La GK, la GK, c'est hella, gamingo, la banane, c'est hella.